Yop, tout le monde, c'est Andrew. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième compte-rendu vide-grenier et achat hebdomadaire. À côté de moi, j'ai ma compatriote Tagada Sky. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va très très bien. Donc, on va tout de suite commencer par le vide-grenier. D'ailleurs, qui était un peu nul à chier, on va dire, quand même. Hein, parce qu'on On a dû beaucoup chercher, en fait. On arrivait à 6h, il n'y avait personne. Il pleuvait comme je sais pas quoi, on était trempés. Enfin, bref. Donc, on a trouvé déjà deux petites choses. On a totalement craqué 50 centimes pièce. Vas-y, montre-les, Tagada. Voilà, deux petits porte-clés. Donc déjà, un petit bulle bizarre. Et l'autre. Vas-y, montre-le. Et nous avons carapuce. Voilà, donc on a totalement craqué dessus. Hein. Pardon. On a totalement craqué dessus, 50 centimes pièce. On s'est dit, bon allez, pourquoi pas. On n'a même pas essayé de négocier. En même temps, le gars, il était pas super sympa. Hein. Non, puis 50 centimes. Ouais, il m'a limite un peu envoyé chier. Enfin bref, on va passer les détails. On va passer tout de suite... on va pas faire les jeux vidéo tout de suite, on va d'abord faire les autres achats. Donc déjà, nous retrouvons, comme la semaine dernière et limite toutes les semaines, tac, une belle petite PlayStation 1. Mais super en bon état. Si on vous dira le prix après. On l'a prise parce que déjà, il y a une manette PS1 officielle. Alors, attendez, je vais faire le focus. Bidoum, bidoum. Voilà. Donc une manette PS1 officielle, plus une manette PS2 officielle, plus les câbles alimentation et l'autre, comment ça s'appelle, Péritel, voilà, merci Tagada. Mais si on l'a prise, c'est pas parce que bon, des PS1, des manettes, on en a, mais on l'a prise tout simplement parce qu'avec, il y avait ceci, donc c'est un meuble de rangement, je sais pas si, ouais, si on voit bien, c'est un meuble de rangement... officiel PlayStation, et c'est vrai qu'on a totalement craqué dessus. Bon, au départ il était emballé, mais c'est moi qui ai le petit coup d'œil et dire tiens, ça sent le petit meuble, ça sent vraiment le petit meuble. On a eu tout ça pour 5€, donc c'est vraiment très 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 raisonnable. On n'a même pas essayé de négocier, c'est vrai que parce que bon, la dame en plus était très gentille, donc voilà, on n'a pas voulu ouais, vas-y, fais un petit peu de place, on n'a pas voulu abuser non plus. 5€, c'est un prix très raisonnable, je trouve, pour une PlayStation 1 fonctionnelle. Fonctionnel, deux manettes et un petit meuble, voilà, on s'est dit pourquoi pas. Ensuite, il y a une petite fille, elle est venue nous voir parce qu'elle voyait qu'on achetait pas mal de jeux vidéo. Et elle nous fait, ah bah viens, venez voir, j'ai des jeux DS, des jeux Wii et tout. Et on a craqué sur Spyro Dawn of the Dragon. Naissance d'un dragon, c'est bien Tagada. Et voilà, on a totalement craqué dessus, donc il est... complet, fonctionnel, oula, ça te casse un peu la gueule, complet, fonctionnel, pour 5€, voilà, on s'est un peu jeté dessus aussi, parce qu'il y avait un gars qui achetait tous les jeux DS, on s'est dit, bah vite, vite, avant qu'ils partent, donc voilà. Puis Spyro, c'est toujours de bon investissement. Oui, ça c'est sûr, je sais pas pourquoi j'ai laissé ma main devant la caméra, bref, on va passer au jeu, bah on a acheté un petit jeu GameCube, on s'est dit, bah pourquoi pas, on a acheté NBA Courtside 2002, et c'est vrai qu'on en a pas beaucoup. On a, oui, parfait état, donc complet, bim, occasion, il a acheté à Easy Cash, je reconnais l'étiquette. On l'a acheté donc 2€, et c'est vrai que ça, on n'a pas beaucoup de jeux GameCube, donc on s'est dit pourquoi pas, et puis bon, nous on aime bien les jeux de basket. Ensuite, non, je vais finir par lui, parce que toi c'est ta petite trouvaille du jour. Ouais. Je vais montrer lui, paf, 2€ pièce, je savais pas ce que c'était, maintenant je commence à acheter les jeux... que je connais pas, tout simplement. Les jeux comme ça, un peu chelou, j'aime bien, j'achète. 2€ pièce, bim. Ensuite, 2€ pièce encore, Red Dead Revolver. On l'a pris parce qu'on sait que c'est une très 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 bonne licence. Oui. C'est un peu le... Comment c'est tout simplement l'ancêtre de Red Dead Redemption. Ouais, c'était très beau ce que t'avais dit. Tac, donc complet aussi, et pour 2€. Et enfin, une bonne petite trouvaille, et c'est... que je connaissais pas et que j'ai été hyper contente. Oui, tu connaissais pas, et c'est après coup vraiment qu'on s'est dit, putain, mais en fait, on a trouvé vraiment un bon jeu. En fait, c'est par rapport aux cicatrices ici que j'ai vu que c'était un jeu de zombies infectés. Voilà. Et on l'a eu, bah, 2€ aussi, donc Cold Fear, je sais... Ubisoft, attends, je vais faire... Ouh, c'est de l'autre côté, pardon. Voilà, donc on sait pas du tout ce qu'il donne, on n'a pas encore essayé, on n'a pas encore eu le temps... Mais il a l'air vraiment très 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 prometteur. Je sais pas, on essaiera puis on vous dira. Ensuite, on va passer donc maintenant au jeu PS1. Et là, c'est les plus intéressants. Bon, les premiers, ils sont banals, on va dire.
Hein. Ils sont banals. Ils sont quand même bien cotés. Ils sont bien cotés, mais banals, quoi. Puis bon, côté ou pas... Il y a tous les jeux qui se cassent la gueule sur moi. Bref, c'est pas grave, je vais rester avec une pile de jeux sur moi. Je vais m'en sortir. Donc, nous commençons avec Siphon Fighter 3. Donc, Platinum, un peu dommage, mais complet. Fred. Oui, Fred. Petit focus sur Fred. Donc, Fred, si tu nous regardes, voilà, on a ton jeu. Il entre de bonnes mains, t'inquiète pas. En fait, j'en avais déjà un, mais je l'ai pris surtout parce que je n'avais pas la jaquette qui était derrière avec les noms. Attends, ici. Parle, j'en profite pour remettre tous les jeux, putain. En fait, j'avais le boîtier avec la notice, mais c'était Metal of Honor qui était marqué à la place, c'était pas top. Voilà, donc je voulais me le reprendre pour l'avoir entièrement, en fait, parce que c'est un jeu qui compte beaucoup pour moi. Oui, c'est une Fighter, bonne licence. Ah oui, combien de fois tu m'as rabassé. Puis en plus, moi, ça va me permettre de faire tous les Siphon Fighter d'un seul coup, comme ça. Parce que j'ai jamais encore essayé la licence. Bim, petit focus que la semaine dernière, je vous avais dit. Ok, tu le ranges dans les petits bouts. Donc 2€, on l'a eu. Siphon Fighter 3, oui. Ensuite, nous avons pris, bim, Star Wars, la menace fantôme. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas trop accro aux Star Wars, donc on plaît aussi. Hein. On n'est pas trop accro aux Star Wars, mais on s'est dit, bah, pourquoi pas. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner, on sait pas trop. 2€ aussi. Voilà, hein, ouais. On va pas se plaindre, un bon petit jeu, on sait pas trop. Bref, Duke Nukem, Time to Kill. Pareil, je l'ai pris parce que Duke Nukem, bon, c'est pas forcément la meilleure licence, mais c'est pas non plus la plus dégueu, quoi. Donc, complet aussi. 2€. On fait que des achats à 2€. Non, après, on a un peu commencé à négocier, mais on dira tout ça après. Ensuite, Fighting Force, je connaissais absolument pas. Développé par Eidos. Même développeur qui a fait Tomb Raider. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, ce que je me sens que donc tu m'as les premiers Tomb Raider, parce que maintenant c'est passé par Ubisoft, c'est ça, oui. Oui, Square Enix, Tomb Raider, le dernier. Mais Ubisoft en a fait aussi, non? Je sais pas, petit. Attends, je vais juste vérifier. Non, reste là, on regardera après. On regardera après. Donc lui, on l'a pris tout simplement, bah c'est moi qui ai voulu le prendre, parce que la jaquette, elle m'intriguait, hein, comme pour... Ouais, puis franchement, il a l'air vraiment bien. Ouais, un petit jeu de combat, de baston, là, qui a l'air vachement sympa. Bah, enfin, je sais pas. On verra bien. Hein. Ensuite, nous commençons à passer à des achats très, très, très intéressants. Alors, nous avons déjà Doom. Alors, petite anecdote. Bon, là, sur les... Il en reste encore 3, il me semble. Il en reste 3 après celui-là. Alors, lui, petite anecdote. Je l'ai ouvert et j'ai vu... Il n'y a pas la notice. Et là, j'ai vu qu'il manquait un CD... Et je regarde la dame, elle vendait à 2€ et je lui fais, bah, vous pouvez pas faire à 1€ parce que bon, il manque un CD. Et c'est après que je me suis rendu compte que j'ai regardé une fois à la maison un seul disque. Donc ça veut dire qu'il est complet, il manque juste la notice. Voilà, je pense qu'il y avait une démo, j'ai regardé derrière, il n'y a rien qui est indiqué. Mais bon, pour 1€, Doom, c'est une très 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 belle licence, ça par contre aussi. Donc on s'est dit, bah. Franchement, allons-y. Quoi. Allons-y. Pareil, une autre très très belle trouvaille. Alors, Metal Gear, mais ce n'est pas le jeu, c'est les missions... Maiden, en fait. Add-on, c'est les missions spéciales, donc pareil, on ne sait absolument pas ce que ça donne. Lui, négocie aussi à 1€, parce que... Merde, le CD, déjà, il se casse, et il n'y a pas la notice, voilà, tout simplement. Oh putain, j'aurais... C'est bien cassé ici, le cercle au milieu. Ouais, le cercle était cassé, il manquait la notice, pour 1€, on l'a pris, on s'est dit, pourquoi pas, Pardon, il y a quand même 300 missions dedans en plus, quoi, c'est... Bah c'était énorme, en fait, pour... Je savais même pas que ça existait, en fait, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu le prendre, parce que je savais pas. Donc s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On continue avec un achat finalement à 2€, celui-là on l'a pas négocié parce qu'il était en très bon état, et c'est Vagrant Story. Alors toi, Tayada, tu l'as pris tout simplement parce que... Il a bon. Et parce que c'est marqué... Squaresoft. Squaresoft, et ça c'est sûr, c'est un bon jeu, c'est obligé. Bah, c'est... Il a été noté 19/20. Voilà, noté 19/20, donc complet celui-là, donc on l'a pas négocié. Un joli CD en plus, hein. Très joli, oui. Pour l'époque. Très joli CD. Voilà, donc 2€. Enfin, il a l'air vraiment d'être pas mal, et lui, on a vraiment hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. Et on arrive à la plus belle trouvaille, et là-dessus, j'ai une grosse anecdote. Et Tagala, dans la voiture, elle a eu un fou rire en y repensant, d'ailleurs. On a enfin trouvé un Final Fantasy VII. Alors, quelle est l'anecdote dessus? Et bien, tout simplement, je l'ouvre, et là, il n'y avait pas le CD, donc je penche comme ça un peu, parce que sinon, on va voir ma tête, et je n'ai plus envie... Là, donc il n'y avait pas le CD,
Donc il y a la notice, là il n'y avait pas de CD non plus, et il y avait seulement 2 CD ici. Donc je regarde la dame, je lui fais, bah, elle vendait 2 euros. Mais bon, je me dis, il manque forcément le CD 1, quoi, vu qu'il n'y avait pas de CD là. Et je regarde, je fais, bah, vous pouviez pas le faire à 1 euro, parce que bon, il n'est pas du tout complet, quoi, on pourra pas y jouer, quoi, finalement. Elle fait, bon, bah, d'accord. Et en fait, c'est dans la voiture, je me suis rendu compte qu'en fait, le CD qui manque, c'est la démo, tout simplement, parce que là, c'est marqué disque 1 sur 3, disque 2 sur 3 et disque 3 sur 3. Donc, c'était magnifique. Je l'ai négocié sans le vouloir, je pensais faire une bonne affaire, mais pas tant que ça, parce que je pensais jamais pouvoir y jouer. Mais finalement, on a un Final Fantasy 7 complet Platinum pour 1 euro. Et c'est magnifique, rien que d'y penser, c'est magnifique. Je crois, vu que tout s'est cassé la gueule, je crois qu'on a fini les achats vide-grenier. Oui, c'est pas mal. Qui était déjà... ouais, qui était bien. Ah, attendez, je vais juste pousser un petit peu tout ça, parce que arrivent les achats hebdo, et vous allez voir qu'on a fait un peu péter la carte bancaire. Fallait bien, on avait envie. En fait, ça fait depuis 2 semaines que là, on achetait que dans les brocantes. Ouais, pratiquement sur le bon coin, sinon, mais voilà, on achetait que à bas prix. Et là, on en a eu marre. On a fait 3 magasins, on les a dévalisés. Enfin, dévalisés, non, ça va quand même, mais bon. On va commencer par. Une grande surprise. Non, on va commencer par ça, Riviane. Ah, alors, ouais. Ça a été trouvé dans un Easy Cash. Donc c'est une petite figurine, enfin petite, ça va, figurine quoi. Statue, le Seigneur des Anneaux, donc U pour... Attends, il y a le prix symbolique de 1 euro. Je crois qu'on a vu ma tête, je flouterai au passage. Pour... Est-ce que je vais arriver enfin 1 euro, voilà, donc c'était magnifique, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc oui, c'est le Seigneur des Anneaux, hein, j'ai oublié de préciser. L'autre, je vais faire gaffe parce que sinon on va encore voir ma tête et ça va être chiant pour moi pendant le montage. Donc l'autre, c'est quoi, c'est le... Warg. En fait, j'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'il est neuf, donc ouais, c'est un warg, bah ouais, c'est le loup là à moitié, ou je sais pas trop quoi, non. Espèce de je sais pas comment expliquer. Que montent les orques. Ouais, donc bref, pour 1 euro aussi, on s'est dit pas, pourquoi pas. Et une très belle trouvaille que limite Tagada m'a gueulé dessus parce qu'elle voulait pas que je le prenne. C'est le guide. Japonais. C'est le guide. Attends, stratégique. J'ai marqué quoi? Attends, je crois qu'il y a marqué quelque chose. Non, si, c'est sur la couverture en dessous. En fait. Oui, je sais, mais je pensais qu'on pouvait y enlever. Voilà, Final Fantasy 13 Lightning Master Guide. Donc c'est le guide version japonais trouvé dans un Easy Cash pour 1 euro. Bon là j'ai même pas besoin de faire le focus, mais bon, c'est juste pour le style. Donc très bon état, et ça j'ai été aussi impressionnée quand même, parce que pour un Easy Cash c'est pas mal. Et là aussi, non, ça s'ouvre comme ça, t'as des... Moi j'en kiffe trop. Alors on a aussi, attends, tire-le-moi. Voilà, que je puisse faire, voilà, le petit focus. Donc on a une très très belle petite poster, ou je sais pas trop quoi, enfin bref, c'est magnifique. Moi je suis bien contente. Pour 1 euro dans un Easy Cash, je me suis dit, bon, allez, faisons-nous plaisir. Ensuite, nous allons continuer avec les achats. Bon, pas PC. Forcément la, ouais, pas forcément les plus intéressants pour nous, donc c'est les achats PC. C'est vrai qu'on s'est fait un petit peu plaisir vu le prix. Donc, trouvé dans un Cash Converters, nous avons le fabuleux Half-Life, donc pour 50 centimes. Complet, tout ça. Qui est d'ailleurs génial au passage. Ils sont tous complets, hein, je le précise pas. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, U pour 30 centimes. Bon, ça, c'est Tagada, elle a eu mal au cœur quand elle a vu le prix. Oh, je suis, je vais pas l'abandonner là. Splinter Cell, double agent pour 50 centimes. Age of Empire 2, bon là, je sais pas où on a enlevé la... Non, mais j'avais essayé parce que je l'aimais bien. Pour 50 centimes. Et enfin, Splinter Cell Pandora Tomorrow pour 50 centimes aussi. Et on a trouvé aussi, on s'est dit, bah, pourquoi pas pour notre collection, ça pourrait tout être joli vu qu'on en a déjà, des boîtes de jeux PC. Donc je l'ai posé, ce sera moins cher pour moi. Pour 50 centimes, on a Rockspire, donc complet, je vous montre juste vite fait comme ça. Et à 9. Ah non, c'est pas elle que j'ai tout... Non, moi il y en a une, je l'ai niquée, c'est elle. Rainbow Six, donc là, que j'ai totalement niqué, avec leur putain de scotch, donc complet aussi. Oh putain, je devrais pas l'ouvrir, la flemme. Et Times of Conflict pour 50 centimes. Oh vas-y, ça me saoule. Complet aussi. Hein, voilà. Ensuite, putain, je commence à avoir soif à force de parler. Nous avons... Non, on va les faire après, les deux premiers. Dans un Easy Cash pour 3 euros, Siphon Fighter 3. Donc c'était avant d'aller au vide-grenier, ça c'est sûr, tout simplement parce que voilà. On s'est, une fois dans la voiture, on a vu Medal of Honor Resistance et là on s'est dit, oh putain.
Mais bon, il est complet sinon, et ça nous en fait toujours un de rechange. Comme ça, si Tagada a trop envie d'y jouer, elle ne pètera pas une durée s'il ne marche pas. Pour 5€, nous avons Siphon Fighter, le premier. Hein. Oui. Et le premier. Il manque la jaquette, mais bon, c'est vrai que la boîte, en plus, la jaquette, je la trouve super belle. J'arrive pas à y remettre. Je crois que j'ai déchiré, c'est pas grave. La notice. La jaquette, la notice. De toute façon, la notice, c'est pas... Il manque la jaquette. Oui, il manque la jaquette. Oui, c'est ça. Ensuite, on allait dans un petit truc de troc ou je sais pas trop quoi. Tomb Raider 3. Bon, là, par contre, j'ai changé la boîte parce que la boîte était totalement abîmée. Mais pour... je vais faire un petit focus, sinon vous allez rien voir. Pour 3€, on s'est dit, bah, comme ça, on les a tous, les Tomb Raider. C'est là que ça fait mal aux fesses. Et c'est là où ça fait très très mal aux fesses. Et là, vous allez vraiment nous gueuler dessus, je crois. Tels des parents envers leurs petits-enfants. Mais on a totalement craqué. Ouais. Franchement, je vous jure, c'est la première fois qu'on craque autant pour un jeu. Et on l'avait jamais vu. C'est Silent Hill 1 sur PlayStation. Donc, complet, état neuf. État neuf, comme s'il n'avait jamais servi, en fait. Mais attention, le prix... J'ai enlevé l'étiquette, je me suis fait baisser la gueule. On l'a eu pour 19€. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Il y a encore les pubs à l'intérieur, quoi. C'est... Ouais. Non, faut que je vous montre parce que franchement, comme s'il n'avait jamais été ouvert, en fait. Ouais, voilà, c'est état neuf et c'est vrai qu'on a totalement craqué. Le CD, il n'y a aucune rayure dessus. C'est vraiment, en fait, le gars ou la fille l'a acheté et en fait l'a mis dans un coin et s'en est jamais servi. Voilà, c'est ça. Donc on s'est fait vraiment plaisir, mais c'est pas fini. Je vais faire du plus récent au plus ancien maintenant parce que j'ai envie, c'est comme ça. Alors ça va être très chiant d'y prendre pour moi. Alors il faut déjà que je bouge ça. Alors bim, DJ Hero, magnifique au passage, avec donc la platine qui fonctionne parfaitement. Où il y a des... D'ailleurs maintenant appelez-moi DJ Andro s'il vous plaît. Et avec donc la boîte en parfait état, donc DJ Hero 2, pour... Attends, dis rien, Tagada. 10€. Et vraiment, la boîte est en super bon état. Et c'est vrai que j'ai limite fait un caprice à Tagada pour qu'on le prenne. Parce que j'avais trop envie, hein, c'est comme ça. Des fois, on a des petites envies. Ensuite, sur 360 toujours, 10€. Nié. Bref, que dire de ce jeu, mis à part que pourquoi on l'avait revendu la dernière fois, je ne sais absolument pas. 10€, bon, complet, hein, inutile de vous le dire. 10€, toujours, Resident Evil, Opération Raccoon City. Ouais. On va pas parler sur ce jeu. Hein. Bon, il est pas... Oh, il est quand même pour se défouler. Pour se défouler, voilà, mais... C'est pas le meilleur jeu. Et c'est bien lui que t'as acheté en dernier. Hein. Oui. Tagada a craqué Resident Evil sur Wii. Et elle a craqué tout simplement parce qu'elle voulait s'acheter Zelda Skyward Sword sur Wii. Encore, on pensait qu'il y avait encore l'offre à 20€. Mais il n'y était plus. Il n'y était plus. 50€, ça faisait un peu mal au cul. Du coup, on a dépensé 30€. Ensuite, on a trouvé... Alors ça, c'est une grande surprise. Ouais, en plus, pour le prix, oui, c'est une grande surprise. On a trouvé Resident Evil 1 sur GameCube, donc complet, avec les deux CD, pour... 8€. Attends, t'es chiant, tu me dis, avant que je fasse mon petit focus d'amour. Ce qui est d'ailleurs un très très bon prix. Très très bon prix pour ce que c'est, oui. Alors, ensuite, nous avons Donkey Konga 2, magnifique au passage aussi. Avec ces bongos, j'allais dire bonjo. Donc ces bongos en boîte qui marchent parfaitement. Bon, il devait juste y avoir un peu de poussière parce que Donkey Kong a un peu pété un câble au début. Avec ses mains. Et ouais, il y a le micro qui est là, que vous voyez là. Il a un peu pété un câble, il tapait un petit peu dans le vent. Mais bon, pour 10€, on va pas se plaindre, surtout en boîte les bongos, c'est ça qui fait bien plaisir. Je sais pas depuis combien de temps on est sur la vidéo, j'ai l'impression que ça fait moins une heure. Bref, nous avons trouvé dans un Cash Converters un Metal Gear Solid 3, donc complet. État neuf, ouais. Comme si on l'avait jamais ouvert d'ailleurs. Pour 3€, on a sauté dessus, surtout que Tagda, ça fait un moment que tu le voulais. Ah ouais, je le cherchais mais je le trouvais trop cher. Ensuite, nous avons trouvé, je finis par lui, ouais. Nous avons trouvé Obscure, et là, petite astuce, on a demandé directement s'ils n'avaient pas eu des entrées PS2 après qu'on ait fait notre petit tour dans le magasin, et c'est là où elle nous a sorti plusieurs jeux, dont lui. Donc Obscure, U pour 3€, de toute façon, pratiquement tous les jeux PS2 sont à 3€ là-bas. Deus Ex, bon, par contre, il manque la notice, mais vraiment, lui, je voulais l'essayer pour 3€ aussi. Age of Empires 2 pour Tagada. Bon, non complet aussi, mais il y a même le ticket de caisse. Mais il est génial. Pour 3€, oui, il est génial.
Et enfin, ça c'est ma trouvaille aussi, c'est moi qui l'ai trouvé, une très très bonne surprise. On a trouvé Rayman 10e anniversaire sur PlayStation 2. Bon, il n'y a plus l'étiquette parce qu'on avait vraiment envie d'essayer de l'enlever vu que c'est sur du carton. Et pour les connaisseurs de Cash Converters, vous allez comprendre pourquoi on a un petit peu flippé. Donc il est complet, faut que j'arrive à le sortir sans tout niquer. Putain, c'est horrible, les jeux. Quand on achète trop de jeux, ça me tombe dessus. Donc il est complet. Bim. Avec, je crois que c'est un DVD, ouais. Ouais, c'est un DVD d'animation. C'est un DVD, ouais, donc je sais même pas s'il y a des notices dans les DVD, non, je crois pas. Non. Et donc, voilà tout ce qu'on a acheté. Bon, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour une semaine. Mais ça, comme on vous a dit, on s'est un petit peu lâché. Et je voulais juste profiter de tout ça. Attendez, tac, je vais faire un petit bloop. Je vais profiter donc de cette vidéo pour vous dire merci, merci, merci à tous ceux qui nous rejoignent, qui s'abonnent à la chaîne, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'on approche bientôt des 200 abonnés. Et sachez qu'une fois que le palier sera atteint, on lancera forcément un concours. D'ailleurs, on a déjà des petites idées sur quoi vous offrir. Donc merci, merci, merci. Le concours sera vraiment pour vous remercier. Et que dire d'autre ? Merci, merci, merci. Bon allez, prenez soin de vous les gens et à très bientôt. Ciao, ciao.